m'inventer des vies. Y'en a déjà plein qui le font pour moi. Je m'éloigne des faux amis pleins de ce vie. Y'a que des vaillants autour de moi. J'attends que la justice me lâche et ça sera carré. Je sais pas si je mérite ce que je me suis accaparé. On sera vraiment serein une fois que tout sera passé. Y'a de quoi s'agacer. Comme tendre la main à un bras cassé. Comme tendre la main à un bras cassé. Quand c'est l'heure d'assumer. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Turn and GTA. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, comment avoir un jogger. Donc un jogger c'est un pantalon comme j'ai sur moi avec les chevilles invisibles. Là je vais vous montrer comment avoir le marron. Ok, donc c'est très facile. Déjà vous devez vous inscrire en PDG, donc SecuroServe, s'inscrire en PDG. Une fois que vous êtes inscrit vous allez faire pavé tactile, Securo, gérer l'organisation, style, PDG, et là vous choisissez la tenue que vous voulez garder. N'importe quelle tenue marche. Donc pour ma part je vais prendre le jogger, mais vous pouvez aussi le faire avec le gilet de PDG. Ceux qui font les codages, vous pouvez faire cette technique pour récupérer le gilet de PDG. Donc pour ma part c'est le jogger qui m'intéresse, alors voilà, je le mets sur moi. Là je vais me rendre ici sur la carte à ce magasin là parce que juste à côté il y a une activité. Donc hop, l'activité que je vous parlais, elle est là. Si vous la voyez pas, vous faites pavé tactile, pardon, masquer icône, activité, flèche de droite, flèche de gauche, et elle apparaîtra forcément. Une fois que c'est bon, vous allez dans le rond, faites flèche de droite. Ça va vous ramener dans le menu de la mission. Vous faites confirmer les paramètres, vous faites jouer en solo, oui. Donc là, ça va nous lancer la mission. On attend. Une fois qu'on va atterrir dans le choix des véhicules, là on va faire tout simplement rond et quitter. Rond X pour quitter. Donc ça nous fait quitter, ça va nous faire respawn dans notre session invitation. Et là on va courir dans le magasin. On court et dès qu'on peut on va faire la flèche de droite. Pour être dans le rayon du magasin ou dans le menu du magasin. Et là tout simplement, on attend que la tenue du PDG respawn. Donc là, boum, ça y est, ça m'a fait fermer le magasin et la tenue à respawn. Une fois qu'on l'a sur nous, on n'a plus qu'à faire pavé tactile, démissionner du SecuroServe et on peut enregistrer notre tenue. Donc vous pouvez l'enregistrer, changer le haut, changer les chaussures. Donc je vais vous montrer. Là par exemple, je vais changer le haut. Je mets n'importe quel haut, voilà, allez, un exemple noir. Je vais vous montrer aussi que en changeant de chaussures, nous pouvons avoir les chevilles invisibles. Donc là, voilà, j'ai bien les chevilles invisibles. Voilà, c'était comment récupérer un jogger et le gilet de PDG. Pour ceux qui font les codages, mais attention, le gilet de PDG, vous ne pouvez pas changer de vêtements. Il servira que à le transférer. C'était Turn and GTA, comment récupérer un jogger, et je vous dis à plus tard les gars, merci à tous et à plus tard.